De la définition. C'est quoi déjà cette équation? La racine carrée du quotient est égale à... À zéro. Non, 10. Attends, Joker, ça te va? Hé hey! Bon, ben quoi? Où tu vas? Réviser mes cours de science. L'examen, c'est demain et je peux difficilement compter sur toi pour m'aider. Non, mais t'es malade ou quoi? On va rater le goûter. Et puis, t'inquiète pas, pour l'examen de science, fais-moi confiance. J'ai ma petite idée. Laisse-moi deviner, ta petite idée là, ça commence par anti et ça finit par sèche, c'est ça? Waouh, monsieur lit dans mes pensées. Bon bah laisse tomber, elle est minable cette idée. Ah bah merci, heureusement que t'es là pour m'encourager. Waouh, je suis trop contente et vous ne devinerez jamais pourquoi. Tais-toi, ne dis rien, les membres de Love Potion se sont séparés. Mais arrête, c'est l'histoire ancienne ça. Marianne est tombée amoureuse de Crystal et Jeffrey ne l'a pas supporté. Non non, là c'est autre chose, écoutez un peu ça. Mon père est d'accord, on a l'autorisation d'utiliser le gymnase. Sans blague, il a dit oui. Waouh! Bon, faut que je trouve William. Ah, ça va être la soirée dance la plus dingue du siècle. Allez plus vite que ça. On se dépêche, les tapis de gym dans la remise. Et vous, rangez-moi ce cheval berçon contre le mur. On se bouge, oh, allez. Non, c'est pas vrai. Alors, si tu disais vrai, le proviseur nous a donné le feu vert pour la nuit techno. Faut croire que oui. Waouh, c'est trop cool, non? Tous les meilleurs DJ des écoles du coin seront là, vous allez tout faire péter. Ouais, ben c'est mal parti, la table de mixage est morte et je ne vois pas comment je pourrais la réparer. T'inquiète, c'est pas un problème, on va demander à Jérémy, le roi de la bricole, il peut tout réparer. Ah ouais, t'es sûr? Ah ouais. Oh non, désolé, mais j'ai mieux à faire que de perdre mon temps sur une bête table de mixage. Moi, je peux vous aider. Tu ferais ça? Hein? Mais nos recherches sur l'antivirus, c'est que j'ai besoin de toi. Mais pourquoi? Pour rester là, je fais que te regarder. Génial, allez, viens. Et tes examens de science, tu révises jamais? T'inquiète, l'affaire est dans le sac. Et donc, c'est avec ça que vous faites la musique? Eh ouais, tu lances les disques sur ces platines. Là, on mélange les sons avec la table de mixage. Après, c'est une question de rythme et de synchronisation. C'est génial. Excuse, mais t'as pas l'air de t'y connaître des masses. Alors, t'en as encore pour longtemps? Non, j'ai terminé. Tu permets que j'essaie? Bien sûr, fais comme chez toi. Ah, ça marche, t'as réussi! Bravo, Elita, fantastique! Tu veux essayer? Oui, d'accord, pourquoi pas? Waouh! J'ai jamais sorti de mix comme ça, moi! Bon, suffit là, on se calme! Non, mais vous avez vu l'heure qu'il est! Ouais, on est désolé, Jim, mais faut qu'on répète pour demain. Vous aimez la techno? Tu veux rire, gamin? Tous vos zinzins électroniques, là, très peu pour moi. Ça vaut pas un Aïta, bon vieux rock'n'roll. Sans blague, tu Allez, mixes comme une pro. Et t'as appris où? Cette famille! Chez nous, on est tous un peu artistes. Écoute, je vais faire une sélection de disques, et si tu veux, demain soir, ce sera toi le DJ. D'accord? Bah, si tu crois que je peux, moi, je veux bien, oui. Cette fête-là, c'est du temps perdu, Aïlita. Mais non, non, c'est pas du temps perdu. Il faut bien que j'apprenne à vivre comme vous, non? Et m'amuser, passer un bon moment. C'est aussi des trucs humains, non? Travailler sur l'antivirus avec moi, c'est pas passer un bon moment? T'as une vraie tête de bulle, Jérémy. On dit tête de mule, Aïlita. Alors, t'as rien révisé du tout? Non. Mais comme j'ai dit à Jérémy, l'affaire est dans le sac. T'inquiète. Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est annulé? Non, mais c'est inspection G.I. Jim. Un stylo, c'est tout ce dont vous avez besoin. Mais bon, allez, entre. Alors ça, c'était pas prévu au programme. Vous avez 2 heures pour la physique et 2 heures pour la chimie.
Mes collègues et moi-même corrigerons les épreuves dans l'après-midi. Et monsieur le proviseur en personne vous communiquera les résultats. Vous pouvez commencer. Bien, c'est terminé. Posez vos stylos et restez à vos places. Je vais ramasser les copies. Attendez que j'ai fini avant de sortir. Oh! Pas mal, tu fais des progrès, Odd. Alors, Madame Hertz. Oh, Hertz, voilà. J'espère que tu me laisseras la cocotte en papier d'Odd pour ma collection. Bah, super ambiance. Je parlais de tes examens, espèce d'idiot. Ah bah là, je crois bien que je suis bon pour redoubler. Oh, n'exagère pas, c'est pas fini. Mais bon, ça ne t'aurait pas tué de bosser un peu tes cours. Bon, ça va, Yumi, on n'est pas là pour parler des cours. En tout cas, à l'affiche ce soir, on a DJ Aelita. Ça va nous remettre la pêche. Au fait, où est-ce qu'elle est passée? Elle est déjà dans la salle. Hé, hey, c'est une vedette, elle a droit au traitement de faveur. Et Jérémy, il fait quoi? Jérémy, il boude. Non, tu n'iras pas. Inutile d'insister. Oh, mais papa, tu te rends pas compte? Cette soirée, c'est l'événement du siècle. Il fallait y penser plus tôt et travailler pour ton examen. Oh, Xana, toujours quand il faut pas. Territoire du désert. Bon, allez, oh. Non! Aelita, une question pour le journal de l'école. En tant que DJ, comment pourrais-tu définir ton style? Plutôt hardcore, deep house ou pure new beat? Veuillez l'excuser, Elaltrag. Je dirais que son style a des influences de hardcore avec des touches de beat, clap et snare drums. Total rap, quoi? Tada! Me voilà! T'as filé en douce, c'est ça? Non, non, mon père m'a dit. Bon, tu vas redoubler cette année, mais ce n'est pas si grave que ça, ma chérie, que cela ne t'empêche pas de t'amuser. Il a dit ça? D'après toi, abruti! Évidemment que j'ai filé en douce dès qu'il a eu le dos tourné. Et maintenant, Aelita, la révélation de cette soirée. Elle débarque de nulle part, mais elle va vous emmener très très loin. Avec la chance que j'ai, tu vas me ramener le proviseur.
ton truc. Allez, tu te fiches de moi, là. Allez, vas-y, fais voir comment tu bouges. Ah ouais, d'accord. C'est sûr, c'est pas ton truc. Chouette, le sample du chien. Elle a trouvé ça sur quel disque, Aelita? Kiwi, qu'est-ce que tu fais là? Oh, Jim risque de quoi? Ouais, bon, d'accord, ça va, je te suis. Tu vas où comme ça? C'est Kiwi, je sais pas ce qu'il a. Bon, je t'accompagne, j'ai besoin de prendre un peu l'air. Oh non, j'oubliais, j'avais quelque chose à faire ce soir. Mais quoi? Oh, un truc vital, je devais cirer ma paire de tongs, bye. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Jim. Jim, il est possédé par Xana. Où est Aelita? Au gymnase, sur scène en train de mixer. Et Jim est dans le coin? Ça va, il n'y a rien de grave, elle est juste évanouie. Je m'en occupe, je l'emmène à l'infirmerie. Que le spectacle continue! T'es sûr que Jim peut virtualiser Aelita et la renvoyer sur Yuko? Contrôlé par Xana, il peut tout faire! Oh non, toute seule, Aelita n'a aucune chance face à la méduse! Là, pour le coup, elle peut dire adieu à sa mémoire! Oh non, trop tard! Ils sont partis, il faut penser à l'usine! Virtualisation. Jérémy, Yumi, passez par le corridor. Odd et moi, on s'occupe de lui. À mon avis, c'est plutôt lui qui va s'occuper de nous, Ulrich. Oh non, on en a deux pour le prix d'un. À nous quatre. Bonsaï. Là, on est très mal, Ulrich. Ah non, tu crois? Aelita, tu me reçois? Ça va? Bah, ça pourra aller mieux. Accroche-toi, la cavalerie arrive. Oh. Et tu comptes t'y prendre comment? Je fais l'appât, tu le harponnes par derrière comme avec les contrôleurs. Hey Jim, sans blague, tu croyais vraiment qu'on se débarrasserait de moi comme ça? Allez, fonce! C'est parti! Jérémy, c'est bon, on arrive. Foncez à la salle des scanners. Aelita. La méduse n'est pas encore là, mais dépêchez-vous. Transfert Ulrich. Transfert Yumi. Transfert Odd. Scanner Yumi. Scanner Odd. Scanner Ulrich.
visualisation. L'objectif n'est pas très loin. Direction sud-sud-est. Tu as programmé les véhicules? Qu'est-ce que tu crois? Je pense à tout, moi. Malheureusement, je ne suis pas le seul. Xana aussi. Vous avez de la compagnie. Mmh. Hein? Dépêchez-vous. Si la méduse arrive avant vous, adieu, Aelita. Bon, allez-y, je m'occupe des frelions. C'est parti. Approchez. Ouais, Ida.
C'est tout l'échiquier. Si seulement elle savait ce qu'il attend. Dommage pour elle. Au fait, après les examens, je veux que tu m'apprennes tout sur la techno-hode. Je veux être DJ. Et Jérémy, tu viendras m'écouter mixer? Oui, c'est promis.